Paris, Paris, garde les migrants. Paris, Paris, garde les migrants. Les Bretons, la mort. Les Bretons, la mort. Et la mafia, et la mafia, et la mafia. Les Mador. Entourdan est aujourd'hui devant le lycée d'Iwan de Vannes pour dénoncer l'hébergement d'une trentaine de migrants africains lors de ces derniers jours. Migrants actuellement en transit vers l'Orient, conséquence de la répartition dans les territoires voulus par Emmanuel Macron à l'approche des JO 2024. À l'heure où les Bretons, et tout particulièrement les jeunes, éprouvent de plus en plus de difficultés à se loger dans leur propre pays, l'État français trouve aisément un hébergement pour les migrants. Cette situation est insupportable. Premièrement, parce qu'une fois de plus, Paris nous met devant le fait accompli et nous condamne à payer pour ses politiques désastreuses en matière d'immigration. Mais surtout, parce que les Bretons sont méprisés et se voient interdire toute solution pour se loger et mieux vivre en Bretagne. Pas de statut de résident pour lutter contre le fléau des résidences secondaires. Pas d'accès prioritaire au logement. Des services publics disparaissent, mais toujours plus de migrants logés à nos frais. C'est leur projet. Il est temps de reprendre le contrôle de notre destin. Ces gens ne sont pas les bienvenus. Ils doivent retourner à Paris. Ils doivent retourner dans leur pays. Brest ! 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 Brest !